Et bienvenue dans la suite et fin du tutoriel sur Discus. Nous allons voir maintenant comment poster un commentaire sans être connecté au site WordPress. Donc, je me suis placé directement dans un article de WordPress. Donc, vous êtes ici. Et là, vous pouvez ajouter un nouveau commentaire. Donc, vous cliquez ici et vous ajoutez votre commentaire. Ajoutez votre commentaire en étant non connecté à WordPress. Voilà, donc une fois que vous avez tapé votre message ici, vous pouvez toujours, comme en étant connecté, ajouter une image. Donc vous sélectionnez votre image et vous attendez un instant. Hop, l'image est là. Vous pouvez la supprimer en cliquant sur cette croix. Donc une fois que vous avez rempli ça, vous cliquez sur commenter en tant que. Et vous voyez que là, vous arrivez, identifiez-vous pour poster votre commentaire. Votre email, ici. Donc, vous rentrez votre email ici, votre nom, voilà. Et vous pouvez vous abonner au commentaire par courrier électronique en cochant ici. Et vous postez un commentaire en cliquant là. Vous pouvez également vous identifier à partir de Discus, de Google, de Twitter, de Facebook, de Yahoo, de OpenID. Donc, si on rentre à Discus, hop, vous connectez ici, à Google, vous cliquez ici, pour Twitter, vous cliquez ici, pour Facebook, vous cliquez ici, pour Yahoo, vous cliquez ici, et pour OpenID, vous rentrez vos identifiants ici. Donc, si vous êtes un visiteur que vous ne voulez pas vous identifier avec ces comptes, vous remplissez simplement ça, et vous cliquez sur poster un commentaire. Donc, commenter en tant que, voilà. Hop, voilà. Votre nouveau commentaire est bien en place ici. Affichez un commentaire. Donc, monsieur Julien, ajoutez votre commentaire en tant que. Hein, ça, c'est votre message. Et l'image ici. Il y a 0 minutes. Là, ça, c'est pour flaguer le message. Donc, s'il y a un problème, le signaler aux administrateurs. Vous cliquez ici. Et vous dites oui, flaguer. Comme quoi le commentaire n'est pas approprié. Ou vous annulez ici. Voilà. Donc, voilà. C'est fini pour... Attendez. Donc, d'abord, il y a j'aime ici. Si vous cliquez j'aime, voilà, vous dites que vous aimez, commentaire. Vous pouvez répondre en cliquant ici, comme tout à l'heure. Vous pouvez vous abonner par courrier électronique en cliquant ici, sur ce lien. Donc, vous rentrez votre email et vous cliquez sur abonner. Ou vous suivez les commentaires par RSS en cliquant ici, donc vous tombez comme quand vous êtes connecté au site au niveau des commentaires sur le flux RSS ici. Donc retour, voilà, donc on revient au commentaire ici, voilà, donc vous avez également le trackback URL à copier et intégrer là où vous voulez aussi. Vous pouvez trier aussi les plus populaires, les plus recommandés, les plus récents d'abord, les plus anciens d'abord. Vous avez toujours les options ici. Afficher la community box que nous avons vu tout à l'heure en étant connecté. Vous avez des options, donc vous devez vous identifier pour avoir les options de Discus ici. Donc vous cliquez s'identifier et là vous identifiez ou créez un compte pour Discus. Vous voyez, vous identifiez ici ou vous créez en cliquant ici un nouveau compte de profil Discus. Voilà, le tutoriel sur Discus est à présent terminé complètement. Je vous remercie d'avoir suivi ce grand tutoriel WordPress et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci et bonne consultation. Au revoir.